Ok, bienvenue à tous, salut, bienvenue à tous sur Tuto Piano. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice d'indépendance, comment essayer de bouger, vous voyez un peu. Aujourd'hui, le principe sera à partir de la vitesse jusqu'à ce que vous soyez apte en fait, en augmentant un peu de vitesse avec au fil du temps. Donc c'est à peu près ça, c'est le principe aujourd'hui, avec un exercice qui est, je crois, le blues, un exercice du blues là. Vous allez essayer de vous voir un peu. Mais avant de commencer, je vais rapidement rappeler à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de juste cliquer sur la barre qui est rouge là en dessous. La barre rouge là, abonnez-vous, c'est pas trop subscribe, quelque chose comme ça. Oui, et pour ceux qui veulent regarder, ceux qui ont besoin de plus de tutos, c'est pas trop des leçons, des cours, alors des chansons, des accords de chansons, alors les principes, vous pouvez juste regarder en dessous, cliquer sur le lien là, cliquer le lien pour plus de tutos, je pense pour plus de cours, il y a des liens là-bas, et puis je vais donc comme ça aborder la leçon. Vous m'avez vu faire ça. Ensuite. Ok. Cet exercice consiste à délier, à libérer les deux bras. Vous voyez, sur le piano, on a toujours tendance à jouer la même chose. En fait, on a tendance à jouer. Si par exemple vous voulez, enfin, ça me dépasse déjà à jouer, tellement mes mains sont déjà, disons, indépendantes que je ne parviens plus à jouer. Je ne parviens pas à commettre cette erreur-là, mais je vais vous montrer en fait ce que je veux. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer cet exercice. Il est ainsi. Vous jouez votre 1, 5. 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6, nous sommes sur Do. 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6. Donc vous faites ça. Quant à la main droite, vous jouez votre 7, premier accord, 1, 5. C'est votre 7 ici, vous jouez. En fait, c'est votre. Voici votre Do, mais vous enlevez ce Do là, vous ajoutez votre 7. Donc, ça donne ça. Voilà le rythme. Et oui. Avec votre métronome, vous essayez, mais pour moi il est rapide en fait. Donc pour vous, pour les débutants, je pense qu'il est un peu rapide. Vous essayez avec le tempo, vous diminuez pour voir ce que ça va donner. Est-ce que à 100 ça donne, voilà. Essayez d'abord de jouer ça. Lorsque vous maîtrisez déjà, allez peut-être à 130. Ensuite, essayez d'aller à 150. Ok, lorsque vous maîtrisez déjà la vitesse, si vous pouvez déjà jouer, même à 150, 160, 160 qui est la vitesse normale de ce chant.
Pardon. Alors, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui est de passer maintenant à la 4. Essayez maintenant, puisqu'après, vous devez jouer ça. Et ici, c'est votre Fa, Do et Ré. Donc, ça donne ça. Quant à la main droite, ça donne quelque chose comme ça. Ça donne ça. Le plus difficile, c'est de partir de là pour là ensuite et aussi de là pour là. Ouais, un peu. Ouais, vous m'en faites peut-être des mouvements antagonistes de là pour là. C'est pas trop évident. Je les vois faire ceci. Donc vous partez de là. Mais avec la vitesse respectée, commencez lentement. Troisième accord, c'est ici, donc une sol. 5, 6, 5, 6, 5, 6. Donc, Ré, Mi, Ré, Mi avec votre sol. Difficile, c'est de, comme je vous ai dit, c'est de traverser, de passer d'un accord à l'autre, mais pour maintenir la cadence, le rythme, c'est pas difficile, hein. Sauf que lorsque vous jouez votre 5, vous allez jouer cet accord une fois, en fait deux fois, et puis bon, ici vous jouez ceci. Et puis vous recommencez. Alors, dans l'ensemble, ça donne ceci. Voilà, ça c'est pour la première partie. Je vous conseille de jouer avec, de commencer lentement. Ensuite, vous essayez d'accélérer. Deuxième partie, c'est lorsque vous allez essayer de décomposer, de faire un autre mouvement avec votre main droite. Mais toujours est-il que la main gauche fait le même mouvement. Ok, ça donne ça. S'il vous plaît, respectez le doigté. Faites en sorte que la main puisse suffire. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous faites ça. Si vous faites ça, ça ne va pas donner. Faudra qu'on joue encore de ce côté. Donc, il faut bien mesurer les doigts. Donc, ça donne ça. Faites ce mouvement. Thank you.
Alors, avec la main de deux mains, quatre fois, et puis, ici, donc vous étiez là, vous bémolisez juste votre mi pour ré dièse ou bien mi b. Ici. Et puis, alors ça donne ça. Vous voyez, donc vous revenez là. Bon, je fais les deux, ces deux passages. C'est deux fois en fait. Et puis vous revenez là. Après ça. Après, vous venez maintenant ici. C'est ça, cette fois-ci et cette fois-ci. Ok, ça donne ça. Sauf que c'est juste deux fois aussi. Et puis vous revenez là. Le plus difficile, c'est de passer d'une note à l'autre. D'une note, d'un accord à l'autre. D'accord. Alors, dans l'ensemble, ça donne ceci. Bon, je vais essayer avec tempo pour vous montrer peut-être ce qu'il faut faire. Je commence lentement. Oh non. Je commence à ça. Je reviens, je monte là, oh non, je reprends tout, on reprend. On revient.
que de temps en temps je m'embrouille. C'est pour ça que c'est très important d'aller avec la vitesse de la plus petite vitesse en accélérant. Vous voyez un peu, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer, travailler cet exercice. Moi-même, je le travaille encore quand je découvre quelque chose. J'essaye de partager. Donc, travailler beaucoup cet exercice, beaucoup, énormément, énormément. Ensuite, je pense que c'est la fin de notre leçon. Je vais vous demander rapidement de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de faire vos commentaires, poser vos questions, les suggestions et tout et tout. Si vous avez plus besoin de tutos, si vous avez besoin d'une question, si vous avez besoin d'une leçon particulière, vous pouvez poser votre question, votre préoccupation en commentaire. Et encore, j'attends toujours des suggestions venant de vous. Merci.